et bienvenue sur le salon Aide Universal. Je suis actuellement en compagnie de Arnaud Tauvron, qui est responsable licence management international et du master gestion de patrimoine chez IAE Paris-Est, campus de Créteil. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, vous avez été directeur de l'IAE Paris-Est et vous y êtes actuellement maître de conférence. Comment on s'en sort quand on est universitaire, qu'on forme au management ou comme vous à la gestion de patrimoine et qu'on se trouve face à des écoles de commerce mastodontes et face à des étudiants qui pensent toujours que pour faire du marketing, de la finance ou du management, il faut le faire en école de commerce? Alors, on n'est pas du tout inquiet parce qu'il faut aussi participer à la déconstruction de certaines représentations. C'est-à-dire que vous avez les 5 meilleures écoles de commerce qui sont incontestablement vraiment excellentes. Et après, entre, on va dire, la 6e et la 15e, vous avez plein d'universités, plein d'IE surtout, qui sont exactement du même niveau. Et donc, il n'y a pas vraiment des écoles qui seraient meilleures que les universités. Les deux sont dans le même environnement et se valent très largement, voire assez régulièrement, vaut mieux faire une formation à l'université que dans certaines écoles. On va parler d'aide universelle. Dans la méthodologie des classements aide universelle, le retour de satisfaction des étudiants compte pour un tiers de la note finale. Qu'est-ce que vous pensez de ce critère? Alors moi, je trouve que c'est un critère qui est vraiment très intéressant parce que finalement, ce sont les étudiants qui sont à l'intérieur de la formation qui sont les mieux à même de dire si la formation elle est de bon niveau, si l'insertion professionnelle est bonne et tout ça, puisque le reste des critères, on est beaucoup dans le déclaratif des écoles ou des universités. Et là, on a vraiment une vision interne par les étudiants et c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous, par exemple, comment vous exploitez le classement aide universelle? Alors, le classement en tant que tel, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est plutôt les commentaires que font les étudiants lorsqu'ils évaluent la formation. Et pour chaque critère, on peut avoir des commentaires et c'est ça qui va nous intéresser. Regarder quels sont les points forts, quels sont les points faibles et comment on peut les corriger. Le classement en tant que tel, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose par rapport à votre école? Tout à l'heure, on comparait les écoles avec les universités. Nous, on est une école dans une université, donc finalement, on est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a le dynamisme des écoles, on a la professionnalisation des écoles, on a l'agilité des écoles, mais on a aussi la rigueur académique de l'université. C'est-à-dire que quand vous venez, il faut bosser pour avoir son diplôme à la fin. Et donc, c'est ça aussi qui fait la valeur et peut-être l'ADN des IE. C'est-à-dire qu'on est le meilleur des deux mondes, l'université et à la fois les écoles. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci.